Max un jour, Max toujours, je suis le docteur Kofi Nyarkopong. Je vais répondre à quelques questions fréquemment posées sur les produits Max. Tout d'abord, les produits sont principalement destinés à l'usage des adultes, ce qui signifie que les personnes âgées de 18 ans et plus peuvent les prendre. En de rares occasions, sur recommandation d'un médecin, ils peuvent être administrés à des personnes de moins de 18 ans pour des conditions particulières ou des cas particuliers, une fois que cela a été discuté avec votre professionnel de la santé ou votre médecin. Les mères qui allaitent, les femmes enceintes sont également dispensées de prendre les produits Max. Donc, de manière générique, nos produits sont principalement destinés à la consommation des adultes. Il est important de noter qu'il s'agit de nutraceutiques, c'est-à-dire de compléments alimentaires. Ce ne sont pas des médicaments qui modifient les compositions chimiques de votre corps. Les produits Max sont des compléments alimentaires. Ce que la plupart des gens ressentent réellement ne sont pas des effets secondaires, ce sont généralement des réactions de désintoxication et d'autres peuvent éprouver des réactions allergiques avec un ou plusieurs des composants de nos produits. Comme ce ne sont pas des médicaments, il n'y aura pas d'effets secondaires comme ceux des médicaments traditionnels. Il est important de comprendre la différence entre les réactions de désintoxication et les réactions allergiques. Les réactions de désintoxication se produisent quelques minutes à quelques jours ou semaines après le démarrage de l'un des produits Max. Il s'agit notamment des ballonnements, de l'inconfort musculaire, des mictions fréquentes, du passage de gaz, de la fatigue, des maux de tête, etc. Cela signifie en fait que le produit a commencé à fonctionner et que votre corps essaie de s'habituer à cette nouvelle substance car elle nettoie et vous débarrasse des toxines. Cependant, en cas de réaction allergique, le système immunitaire tente de lutter contre les allergènes. Il réagit de manière excessive aux substances nouvellement introduites, alors peut-être qu'un composant de Celgevity, ATP ou Switch ne correspond pas à votre système immunitaire, de sorte que votre corps exagère en essayant de le combattre. Vous pouvez présenter des symptômes tels que, démangeaisons, gonflements, éternuements, écoulements nasal, ce sont des réactions allergiques. En général, lorsque cela se produit, vous souhaiterez peut-être passer à un autre produit. Par exemple, si vous êtes sur Celgevity, vous voudrez peut-être essayer Max One. Pour les réactions de désintoxication, prenez beaucoup d'eau, 1 litre ou 1 litre et demi d'eau juste pour vous aider à vous débarrasser des toxines qui se sont accumulées dans votre système. Si cela ne fonctionne pas, diminuez la dose. Supposons que vous preniez 2 Celgevity matin et soir, vous pourrez en prendre un le matin et un le soir, puis revenez progressivement à la dose normale à mesure que votre corps s'adapte. La plupart des gens ressentiront probablement une poussée d'énergie, un meilleur rythme de sommeil dès le premier jour, puis à mesure que votre taux de glutathion augmentera au fil du temps, vous commencerez à ressentir les avantages importants qui accompagnent l'optimisation des niveaux de glutathion dans votre corps. C'est un complément alimentaire, alors c'est comme demander combien de temps dois-je manger ? Tant que vous souhaitez profiter des bienfaits pour la santé associés à des niveaux élevés de glutathion dans votre système, vous pouvez continuer à utiliser nos produits. Une utilisation prolongée de Celgevity et de tous nos produits s'est avérée très bénéfique, vous n'avez donc pas à vous soucier d'effets secondaires. Vous pouvez l'utiliser aussi longtemps que vous le souhaitez pour profiter des bienfaits pour la santé. Oui, Celgevity et tous les produits Max sont autorisés dans plusieurs autres pays. Il est certifié halal et certifié par la BSCG. Donc pas besoin de s'inquiéter. Cela a été essayé et testé dans plusieurs pays, y compris aux États-Unis et à travers l'Afrique.